Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce gameplay commenté. Hop, avec le Yamato. Alors je fais mon petit GLHF à tout le monde. Le petit salut. Hop. Alors il y a quoi dans l'équipe? Les conquéreurs du République, ouais. Les Limbourgs. En face, il y a quoi? De la Tago, Yang, 23, Yamato, mon conquéreur aussi. Oh, Flambas. Bon, enfin. Mais enfin. En Yamato! Ah purée! Ah j'espère qu'il n'est pas de mon côté. Je risque de prendre cher. Ah purée. Bon bah ma foi. C'est le moment ou jamais de voir si on va mourir vite ou pas. Hein. Avec de la chance, il sera allé sur A. Ouais, pop. Normalement, moi j'ai Arot de mon côté. Conqueror. Ah, c'est pas dit. C'est pas dit. Ah non, Arot est à droite. Ah non, il est là. Ah bah comme par hasard, hein. Il a pris cher là. Mais bon, est-ce qu'il m'a mis dans la gueule? Et est-ce qu'il continue de me mettre? Il est juste pété ce navire. Il est juste pété. Et comme par hasard, il se met à tirer maintenant, mon navire. Ah non, il pouvait pas tirer tout à l'heure quand il était bien visible. Allez. Bon, j'ai réussi à le toucher. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le Z là-bas, là, qui a pu envoyer ses torpilles. Là, je vais essayer de reculer pour aller affronter Flambas. Mais il est planqué derrière son île. Il a raison, moi.
Allez, sur Z23, Z23, Z23. Allez, citadelle-moi un petit peu Satago. Non. Le jeu m'a dit nope. Tu ne feras pas de citadelle. Allez, petit coup de régène. Je retire ce que j'ai dit. Bon, là ça s'est mieux passé. On va envoyer l'avion pour essayer de spotter un petit peu ce qui se passe. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu les torpilles. Ah, il a été respoté. Je pense que si les torpilles devaient arriver, je les aurais vues. Ah, mais ils sont deux destroyers. Il y a un Udalo et un Z. Bon, le bon côté des choses, c'est que pour l'instant, on domine. Ah, ils sont sortis de l'écran de fumée. Il est vraiment cheaté ce navire. À mourir, autant mourir de la main de flanc basse. Allez, fais plaisir à papa là. Là, il va me sortir. J'ai 7000 points de vie. Il me sort en une bordée le Conqueror. Moi, je peux lui faire mal, mais lui, il me sort en une bordée. Allez, recharge, s'il te plaît. Allez, faut que je sorte, faut que je sorte, faut que je sorte. C'est bon.
Ouh, c'était tendu du slip. Hein. C'était super tendu. La partie a l'air de se passer pas trop mal pour nous. Flambasse, flambasse, flambasse est toujours en vie. C'est qui s'est pris quoi? Un Kiev? Ouais, bah ça arrive, grand. Par contre, faut que je fasse gaffe, moi, que je tempère mes ardeurs, parce que quand je vais sortir, je vais être très exposé, et j'ai plus de quoi régène. Il y a flamme basse aussi. Bon, ça c'est une chose de faite. Flambasse s'est fait sortir. Faut que je fasse gaffe, hein, je suis très exposé moi. Je suis très vulnérable avec mes 15 000. Je vais garder mon avion. De toute façon, là, ça passe pas les obus. Je vais activer les secondaires sur lui. C'est comme ça. Là, il va se prendre une torpille, voire deux. C'est bon. Voilà, je vais pas risquer de perdre le navire. Ce serait ridicule. J'ai surtout pas essayé de pas lui donner de points. Ah voilà. 142K. Sachant qu'on a affronté l'équipe où il y avait Flambass en face. Hans, pour les intimes. Hein? Donc, expert des combats rapprochés. Dreadnought. Recevoir des dégâts super dépassant 120% de mes points de santé. Merci la régène. Inifuge. Merci Conky. Hein, Conqueror, tu m'as fait mal. Tu m'as fait très très mal. Je vais pas aller jusqu'à dire que j'ai aimé ça. Parce qu'il faut pas pousser. Complimenté. Joue bien. Hans. Ya. Sehr gut, Contributeur Hans. Complimenté. Adversaire louable. Et complimenté. Bien élevé. Ah ben il m'a quand même répondu hein, quand je lui dis bonjour. Il m'a quand même dit bonjour. Plus sérieusement, bon, bonne part. Franchement, je le sentais très très mal. Je sentais très 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 mal. Mais bon, j'ai eu l'intelligence de pas trop m'exposer. Mes collègues, lui, il a chargé à la fin, mais ouais, lui, il est mort à la toute fin. Un peu, c'est dommage, mais je préférais que ce soit lui qui prenne les torpilles plutôt que moi. Avec un dédé à bout portant, il pouvait pas s'en sortir. Mais c'est aussi pour cette raison que moi, j'avais pas chargé parce que je savais qu'il y avait le Z23 qui était pas loin même s'il avait été sorti, qui avait Ludaloy qui était avec lui, qui avait Hans qui était aussi avec lui. Je pense qu'il a voulu se faire Hans. Il a voulu se faire Flambass et le fait d'avoir voulu se le faire, et ben il l'a payé de sa vie parce que le DD était en embuscade derrière et boum quoi. Alors, Conqueror, que j'ai coulé donc, je lui ai mis pour 73K. Lui il m'a mis pour beaucoup beaucoup. Lui il m'en a mis pour un paquet dans la trogne.
Rien qu'avec les incendies, et lui il a dû se faire un paquet de... Il s'est fait combien d'XP le Conqueror? Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est dommage. Mais il m'a fait mal. Il m'a fait clairement, il m'a fait mal. Il m'a fait des volets à 14K. Il m'a foutu au moins 5 ou 6 incendies. Au moins 5 incendies, facile. Après peut-être que Loudaloy ou le Z23 m'en ont foutu un. C'est possible. J'en ai mis un petit 10K en basse. Donc à Hans. Qui s'est fait sortir par le rep. Ouais. Oui, oui, oui. Le République a réussi à l'avoir. J'ai tanké pour pratiquement 2 millions de points de dégâts. Hein. J'ai vu cette tourelle se tourner vers moi, j'ai eu un petit peu peur quand même. Hein. Je vous l'avouerai. Mais ma batterie secondaire, qu'est-ce qu'elle a fait? 14 000 points de dégâts, auxquels il faut ajouter 5 000 d'incendie. Le 5 000, je crois que j'ai foutu au Conqueror en plus. Je crois que j'ai foutu au Conqueror. Ouais, bah c'est pas trop... C'est pas trop mal. C'est pas... Bah vous voyez, il faut 70 touches au but pour faire 14 000 points de dégâts. Encore une fois, c'est situationnel, hein, ça dépend des navires que vous avez en face. Si vous avez du navire lourdement blindé, ça va pas faire grand chose. Si vous avez du destroyer, vous tirez pas. Vous avez des touches à l'AP quand même. Hein. Vous voyez que les AP font quand même plus de dégâts. Pour 13 touches, j'ai fait moitié de dégâts que 57 de l'autre, quoi. Alors que j'en ai fait 3 fois moins en touches. Donc voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Niveau crédit, bah oui, je gagne de l'argent, en effet. Pas exceptionnel, mais j'en gagne. Hein, c'est ma première partie de la journée. On est le 22 août, là il est 17h53. Donc non, ça va. Je vous remonte quand même ce que j'ai sur le capitaine navire, même si à force vous avez commencé par y connaître par cœur. Mais on sait jamais, si toi, jeune Padawan, tu découvres ma vidéo et tu découvres ma chaîne avec ça, eh bah au moins, comme ça, tu peux savoir ce que j'ai dessus. Donc j'ai un commandant à 19 points. Alors j'ai mis maintenance préventive pour éviter d'avoir le moteur qui lâche, etc. Et j'étais persuadé que ça avait un effet sur la durée de vie des secondaires. À vérifier. J'ai mis deux avions. Pourquoi? Parce que quand je veux spotter les torpilles qui viennent autour de moi ou les DD, vaut mieux en avoir deux qu'un seul. Rotation des tourelles. Oui. Ah, c'est bien ce qui me semblait que j'avais pas mis Adrenaline Rush. Donc poussée d'adrénaline, pardon. Faudrait que je le mette. Pour le mettre, faudrait que je fasse sauter la rotation des tourelles. Je pense qu'il faut que je retravaille mon commandant. Je pense qu'il faut que je retravaille et que je fasse sauter la rotation des tourelles. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais sauter la rotation des tourelles pour avoir la poussée d'adrénaline? Je pense, honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Quand voilà, à la fin, j'aurais rechargé plus rapidement, j'aurais pu foutre quelques volets en plus. Voilà, c'était pas superflu. Il est fâcheux, non, ça sert à rien, mais à rien du tout. Les gros canons tirent à la paix hein, dans les secondaires du Yamato. Et vous voyez que j'ai Yamamoto ici au cul. Donc Yamamoto, il finira sur Musashi, je pense. J'attends la mise à jour qui doit sortir jeudi. Donc oui, hein, je vous l'ai dit, on est le 22 août. Cette vidéo, vous la verrez sûrement au mois de septembre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense à vous. J'essaie de vous faire du stock pour vous faire au moins 2 vidéos par semaine. Comme d'habitude, là vous voyez toute la palanquée de navires que j'ai. Hein. J'en ai. J'ai 72 navires. Donc n'hésitez pas, s'il y a certains navires que vous voulez me voir jouer, parce que par exemple les Russes, je les joue jamais. Ils sont là les Russes, pardon, ça c'est allemand. Russes, je joue presque jamais. Allemand, je peux jouer de temps en temps, américain, ARP. Là. D'autres navires japonais, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le Furutaka. Voilà, faut pas hésiter. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ciao, ciao les amis.